L'ange numéro 38, Haramia. Il régit du 29 septembre au 3 octobre. Il est l'ange des rituels et de la préparation. Il nous permet de comprendre que la vie est un rituel quotidien pour développer en soi des habitudes positives et constructives sur tous les plans. Il nous enseigne le sens sacré dans l'appréciation de chaque instant. Cet ange est aussi en relation avec les histoires d'amour extraordinaires. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Sens des rituels et des préparations. Stratège, planificateur. Aime faire des choses, préparer des repas, s'occuper d'autrui, etc. Conduit vers les plus hautes réalisations humaines. Transpose le rituel dans le quotidien. Science du comportement, de la conduite. Beauté, harmonie, paix. Savoir-vivre, politesse, convivialité. Haut lieu de transcendance. Exorcisme. Dissout la violence intérieure et extérieure. Aide à trouver le parfait complément. Histoire d'amour extraordinaire. Sexualité vécue divinement dans une conscience sacrée. Rituel, cérémonie, initiation. Adore le divin. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Manque d'implication ou difficulté en lien avec la préparation et les rituels. Faculté de stratège et de planificateur limitée, insuffisante. N'aime pas faire des choses, préparer des repas, prendre soin des autres, etc. Égoïsme, manque de considération pour les autres. Impatience, manque de politesse, de gentillesse, de savoir-vivre, trop perfectionniste, fait les choses par insécurité ou par peur de manquer de ressources. Suit des rituels ou s'y soumet pour plaire aux autres, pour être accepté et aimé. Refuse ou craint le mariage, absence ou manque d'amour véritable, mensonge, erreur, refus de respecter les règles, comportement
manipulateur. Absence de spiritualité ou concept spirituel faux, non authentique. Adorateur de monuments. Culte, rituel et cérémonie de magie noire. Démon, esprit malveillant, possession, agression, violence. Guidé par des intérêts matériels. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Amabilité, exorcisme, magie, magie noire, préparation sur tous les plans, sens des rituels, douce pensée angélique.